Awassa, avec son lac aux eaux cuivrées et sa nature sauvage, est un lieu redouté pour certains, attrayant pour d'autres. Ici, nous sommes entre rêve et stupeur. La faune fascinante arrive presque à nous faire peur. Dans ce puzzle géant qui est la Terre, la sécheresse a transformé la forêt en savane. La présence des camélidés est la marque incontestable de ces changements au milieu des formations géologiques spécifiques au Grand Rift. C'est une région jalonnée de nombreux lacs, de réservoirs d'eau profonde, sources de vie et facteurs de développement. La découverte de villes très vivantes, comme celle que l'empereur Haïlé Sélassié a fondée sur les rives de ce lac, nous procure des moments d'intense émerveillement. Une cité gardée par les marabouts et leurs becs imposants. Cet oiseau emblématique de ce continent est toujours prêt à recevoir sa ration de nourriture pour le moindre effort. Ces échassiers, à l'apparence peu engageante, nettoient désespérément les abords du port de la Criée, semblant en vouloir davantage. Et pour cause, les poissons sont de moins en moins nombreux à sortir des embarcations. La préparation des filets et du matériel est indispensable pour le prochain départ. La réparation, le démêlement, se font sur les berges du lac. Tilapias, poisson-chat, perche du Nil sont à l'affiche du marché de cette ville dynamique. Un lieu vivant à voir et très prisé par les Éthiopiens. Les pêcheurs négocient leur prise de la nuit. Ici, on vient de loin pour s'assurer un bon repas. Un poisson nettoyé, éviscéré et soigneusement préparé qu'il est toujours intéressant d'acheter. Les Sidamas, peuple du sud-ouest de l'Éthiopie, animent toute cette région des nations et son marché quotidien. Ils savent mieux que quiconque détacher les filets de tilapias que l'on retrouve dans les potages. Ils sont aussi toujours prêts à nous faire déguster des poissons grillés, découpés ou entiers dans des gamelles d'un autre âge, que l'on mangera accompagné d'un thé ou d'un café. Un certain dépaysement qu'il est toujours bon d'apprécier quand on a la chance d'y arriver. Un marché que beaucoup souhaiteraient fréquenter, mais auquel ils doivent souvent renoncer, faute de carburant. Sur les routes, il est courant de croiser de nombreux tuk-tuks qui doivent attendre une multitude d'heures leur passage à la pompe, avec l'espoir de pouvoir poursuivre leur chemin dans cet endroit géologiquement actif, et sur ces trajets semés d'embûches, le combat est intense. Entre obstacles permanents, bordures en vrac et revêtements détériorés, il faut quelquefois avoir le cœur bien accroché. Ici, le danger est constant, entre sécheresse et inondation. Des déluges qui marquent la Terre dans cette région propice au dérèglement climatique, lesquels entraînent des phénomènes orageux qui déversent des trombes d'eau sur les terres asséchées de la Corne de l'Afrique. Décidément, Awassa et son lac sont beaucoup plus qu'une découverte fascinante.